Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon début de semaine, que tout va bien pour vous, que vous êtes au top. Je l'espère, sincèrement. Moi, j'ai vraiment retrouvé toutes mes énergies, je me retrouve de jour en jour, de semaine en semaine. Ça fait 10 jours maintenant où vraiment ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Je vous avais dit, j'avais eu une difficulté, voilà, que j'ai rencontrée fin mars, début avril. Donc, ça m'a demandé une semaine où ça a été très dur. Et voilà, et là, ça y est, c'est reparti. Je pense que cette pleine lune là du 27 avril va venir nettoyer tout ça. Donc, c'est aussi le but hein, de cette guidance. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qui ressort par rapport à cette énergie, ces énergies de cette pleine lune en scorpion du 27 avril 2021. Donc, je voulais vous faire la guidance un petit peu plus tôt. Et puis, bon, je vous ai mis tous les taroscopes en ligne ce week-end. Du coup, j'avais plus de temps. Donc, c'est pas grave. Hier, j'ai eu beaucoup de rendez-vous. J'ai eu 5 rendez-vous, je crois. Plus les mails, plus tout ça. Donc voilà. Donc c'est maintenant. Tac, tac, tac. Donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Vraiment. Je suis pleine de gratitude et c'est important pour moi de vous le, voilà, de vous le dire. Donc un grand merci pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos petits likes. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous ai mis un petit post il y a 2 jours, je crois, pour vous annoncer que maintenant, je propose également un travail en radiesthésie, donc avec mon pendule, pour faire des déblocages énergétiques. Donc, je n'ai pas encore mis mon site internet à jour, je n'ai pas encore eu le temps, mais je le fais dans la semaine. Mais je tenais déjà à vous en parler. Voilà, je travaille avec mon pendule, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'avant, je le faisais principalement pour mon cercle privé d'amis, la famille, tout ça. Et puis, je n'avais pas, je ressentais pas cette légitimité encore de pouvoir vous le proposer. Et là, comme je vous ai dit, depuis que je suis arrivée, donc là où je suis actuellement, tout est en train de bouger. En moi, autour de moi, la canalisation, tout ça, tout arrive, tout s'éveille en fait, la clairaudience, enfin vraiment. Et là, les guides me disent, mais si c'est le moment, vas-y, tu peux, t'attends quoi? T'attends quoi? Oh, t'attends quoi? J'attends plus maintenant, voilà. Donc, si vous souhaitez me contacter pour un déblocage énergétique, travail au pendule, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, l'adresse mail, c'est celineethérapeute@gmail.com. Je vous la mets sous la vidéo. Voilà, j'ai pas encore modifié le site, donc vous trouverez pas encore d'informations, mais je tiens déjà à vous le préciser. Donc j'ai déjà eu quelques retours. J'ai pris un petit peu de temps parce que j'avais pris du retard dans le traitement des mails puisque j'avais pas été très bien, je vous l'avais dit. Donc voilà, j'ai rattrapé le retard. Donc normalement, je réponds dans un délai de 3 jours par rapport à tout ça. Donc voilà, juste laissez-moi à peu près 3 jours pour répondre. Donc vous m'envoyez un mail, vous m'expliquez votre situation et moi derrière, je vous fais un retour et puis on voit effectivement comment on travaille. Donc vous avez le lien vers mon site internet également hein, sous la vidéo pour toutes les personnes qui veulent en découvrir un petit peu plus sur moi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, on peut y aller. Alors on va prendre un message avec le petit oracle des anges. On va voir ce qui ressort. Alors c'est une pleine lune en scorpion. En plus, une lune rose. Donc de ce que j'ai compris, ressenti, vécu aussi, cette pleine lune va venir nettoyer un petit peu toutes les énergies négatives hein, qu'on a alors accumulées. Bon. Voilà, depuis le début du printemps, même depuis le début de l'année, hein. Hop, elle s'est retournée. C'est la carte du destin. C'est pas mal. Alors, la carte du destin vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, clairement, c'est ça. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire pour qu'on puisse justement avancer vers notre destin, avancer vers notre mission de vie. Sur notre chemin de vie, mais c'est vrai qu'à force de porter des boulets, des boulets, des charges émotionnelles, tout ça, on a un petit peu freiné. Alors on avance, hein, mais bon, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, depuis un an, c'est encore plus lent. C'est pas que c'est forcément bloqué, c'est beaucoup plus lent. Ça nous demande aussi d'aller chercher tout ce qu'on a en nous, vraiment, nos capacités, vraiment. Je vous parle d'introspection depuis un moment, je sais qu'on commence à en avoir marre de s'introspecter, hein, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc, pour pouvoir avancer, il faut déjà comprendre ce qu'on doit changer, changer notre façon de réagir, changer nos jugements envers nous-mêmes, envers les autres, nos critiques, vous voyez, travailler sur notre ego. Donc là, visiblement, il y a un grand changement par rapport à notre destin qui est en train de se mettre en place. On va regarder avec l'oracle des miroirs, les amis. Donc, ce qui va être nettoyé, justement, ce qui va être travaillé, je ne sais pas, libéré, guéri, pour cette pleine lune du 27 avril 2021. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Oh, merci. Ah, voilà. Ah, ça va vous faire plaisir, ça, hein. Moi, je les vois, les cartes, mais pas vous.
Eh ben c'est ça, ouais. Pff, on est vraiment sur des fins de cycle, hein. On est vraiment, vraiment, vraiment. On quitte tout ce qui n'a pas fonctionné. J'ai la carte de l'échec. Alors attention, ne prenez pas le message de travers. On nous dit pas qu'on va vers un échec. On nous dit qu'on se libère de tout ce qui n'a pas marché, de tout ce qui n'a pas fonctionné. Ça peut être, pour certains, effectivement, une séparation avec un conjoint, avec un mari, avec une femme, avec une conjointe, voyez. Mais ça peut être aussi tout ce qui n'a pas fonctionné dans le couple, au niveau familial, au niveau professionnel. On est vraiment, allez, on laisse partir tout ça. Séparation, voyez, on quitte. Hein. On quitte tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui a été compliqué. Alors ça demande aussi à se libérer de tout ça pour pouvoir mieux avancer ou avancer vers un autre chemin. Voyez, on vous dit, boomerang, il y a un retour. Un retour par rapport à tout le temps que vous avez investi. Alors pour d'autres, effectivement, bon, si on doit quitter une personne, par exemple, ou un travail, on sait très bien que de toute façon, ça ne se fait pas comme ça en une journée, en une pleine lune. Non, c'est trop, trop facile et trop simple, hein, ça se saurait, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, vous savez. Donc oui, il y a encore besoin de temps. Ce temps, il est nécessaire. Mais en vous libérant de tout ça, derrière, c'est que du positif qui va arriver. Vous voyez, la carte du boomerang, c'est ça. Le boomerang, c'est aussi, on vibre quelque chose, bim, on se le prend en pleine tronche. Il y a le retour. Ben, c'est ça. Donc là, on laisse partir tout le négatif. Et ensuite, il y a tout le positif qui peut revenir. Parce que c'est ça, quand on traîne vraiment des choses compliquées, des énergies lourdes, des blessures, des trucs, des machins, de la fatigue, vous voyez, des émotions, ça monte, ça descend, on est un peu perdu. Bon, bah, comment on peut avancer avec tout ça? Alors oui, on avance, mais en mode escargot en plein désert, quoi, vous voyez? Ou en mode scarabée en plein désert. Non, le scarabée, il va plus vite. Je dis ça parce que j'en vois beaucoup des scarabées. Donc voilà, donc là, on est vraiment sur une libération de tout le négatif. Alors attention, ça peut piquer un peu, parce que quand on libère, ce serait trop simple si c'était fait en douceur. La lune, vous savez, je vous le dis hein, depuis longtemps, et je ne suis pas la seule, la lune, c'est les émotions. La lune, c'est tout ce qui est caché. Elle est là. Mais on la voit pas. Donc là, elle vient puiser à chaque fois dans tout ce qu'il y a en nous. On ne sait même pas que c'est là, d'ailleurs. Hein. Consciemment, on ne sait pas. On sent qu'il y a un truc, mais pff, on ne sait pas. Des fois, ça va être de la colère. Des fois, ça va être, je ne sais pas, des angoisses. Des fois, ça va être de la rage pour certains. De la fatigue, vous voyez. Bon, c'est bon. Allez, une bonne pleine lune et c'est reparti, les amis. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est cool. Je suis contente. Moi, je le ressens. À titre personnel, j'ai pu parler avec deux trois personnes, on le ressent aussi. Bon, ça peut me parler aussi, comme je disais, d'une situation d'échec. Ça veut pas dire que la situation en elle-même est un échec. Ça veut dire que tout ce qui n'a pas fonctionné dans la même situation, dans la situation dans sa globalité, vous le laissez partir. Ça veut dire les conflits. Alors avec n'importe qui, dans n'importe quel domaine, ça peut être des conflits, ça peut être des disputes, ça peut être des anciennes blessures, des choses que vous, voilà, vous travaillez depuis un moment, mais au bout d'un moment, bon, bah, faut laisser partir ça d'un point de vue énergétique. Bon, bah, c'est vraiment le message, hein. Alors justement, au niveau énergétique, eh ben, on va regarder avec l'oracle de la libération énergétique ce qu'il ressort. En dos, dès que j'ai l'harmonie, hein. Bon, quand même aller chercher les cartes. I did it again. Ça faisait longtemps, hein? Eh ben voilà, on va libérer des angoisses. Ben c'est bien. C'est top, c'est top, c'est top. Angoisse, voyez? Alors, comme j'expliquais tout de suite, quand il y a une libération, et vous le savez, c'est comme une crise de guérison, hein, quand on fait un soin énergétique, quand on travaille avec l'EFT, avec plein de techniques, pratiques différentes. Quand ça doit sortir, on ne sait pas comment ça sort. On ne sait pas. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait un petit remous quand même, hein, au point de vue émotionnel, aussi au niveau physique. Pour certains, ça peut être la tête qui tourne. Pour certains, ça peut être, là on parle d'angoisse, peut-être des oppressions au niveau de la poitrine ou au niveau de l'estomac. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des petits remous comme ça, des petits symptômes. Hop, j'enlève mes tatanes, je me mets pieds nus, je suis plus à l'aise. Mais vous irez complètement barré, ouais. Ouais, j'assume. Donc voilà, donc oui, le corps physique peut aussi libérer tout ça. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait quand même, peut-être, certaines émotions qui vont remonter. Bon, bah on s'en libère. Donc ça, c'est positif. Ce serait trop simple si c'était fait en douceur. Il n'y a rien de doux. Quand on libère des blocages, ça ne se fait pas en douceur. Donc voilà. Et j'ai la deuxième carte qui me parle du chakra
du troisième œil. Le chakra du troisième œil, je vais vous la lire la carte. Bon, les angoisses, hein, bon, pas la peine. Chakra du troisième œil, je dis ça pour toutes les personnes qui ne sont pas trop dans les énergies ou qui découvrent ou qui ont besoin hein, de compléments. Donc, chakra du troisième œil. Les amis, on vous dit, ton chakra du troisième œil est bloqué et ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. C'est pas complémentaire ce jeu-là ? Si. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif. Et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part, alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Et je vous assure qu'ils sont là. En ce moment, c'est vraiment le message qu'ils me transmettent. D'ailleurs, je vais faire des vidéos, il faut juste me laisser un peu de temps, mais... Ouais, vous aurez des messages, vous inquiétez pas, je canaliserai pour vous, vous verrez. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis lazuli, la sodalite ou l'azurite. Lapis lazuli, sodalite, l'azurite. Je dis ça, vous mettez pause, vous pouvez aller rechercher les noms après. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Alors là, les amis, clairement, les lamis, oh les lamis, clairement, quand on libère des pensées négatives, du stress, de la fatigue, tout ça, je vous assure qu'on est en pleine connexion déjà avec nous-mêmes. Mais là, le troisième œil, comme on vous a dit, ça va aller, alors, la pleine lune, hein, va venir aller nettoyer toutes les mauvaises pensées, tout ce qui est un petit peu bloqué à ce niveau-là, pour pouvoir enfin vous ouvrir à vos guides, recevoir leurs messages, développer votre intuition, votre troisième œil, ressentir, être plus dans le « je ressens les choses ». Je ne peux pas forcément les expliquer, mais je les ressens. Ça fait partie de la médiumnité, hein. De toute façon, on ne va pas se mentir. Et c'est vrai que depuis, alors je vous en parle depuis quelques temps dans certaines vidéos, mais l'ère du Verseau, c'est ça aussi. Hein. On n'est plus que dans le faire, dans le avoir, vous voyez, on est dans « je suis qui je suis ». Se recentrer à son essence même. Là, clairement, ce qui va être débloqué, nettoyé, guéri, purifié, va nous permettre de nous reconnecter à notre soi supérieur, notre divin en nous, bon, vous parlez, hein, bref, vous mettez les mots que vous voulez, à qui on est, à notre âme, mais pas que. Au guide, à l'univers, à vos défunts, qui vous voulez. C'est bien, hein, parce que là, les angoisses, tant qu'on est là-dedans, même si on n'en a pas conscience, hein, des fois on peut ressentir juste des petites peurs, ou des fois on ne les ressent pas. On est bloqué, c'est pas pourquoi. Et là on va se dire, ah mais putain, mais oui, mais c'est ça. Je vais prendre un exemple tout bête, vous voyez ce que je vous disais là. Toutes mes capacités qui sont en train de se réveiller. Alors moi, mais je ne suis pas la seule, hein, vous aussi, la preuve, hein, c'est le message qui ressort. Eh bien en fait, j'en ai pris conscience, mais c'était des peurs qui me bloquaient. Des peurs de mal faire. Des peurs de, je sais pas, plein de peurs, de pas me sentir légitime, de pas, vous voyez, bon. Et là, les guides, ils me disent, mais pff, n'importe quoi, enfin, travaille là-dessus, c'est bon, passe à autre chose, quoi. Vas-y, lance-toi. Et la carte avec les maîtres ascensionnés, c'était, je sais plus son nom, sors du placard. Bon, je prends toujours un exemple, vous voyez, par rapport à mon expérience, pour vous expliquer, bon, je parle pas des autres, parce que j'aime pas parler des autres, je peux pas parler à leur place, je connais pas leur cheminement, leur parcours. C'est pas pour parler de moi, c'est pour vous donner vraiment des exemples concrets. Des fois, on a des angoisses, on les sait même pas. C'est pas forcément la grosse crise d'angoisse, ça peut être des grandes peurs, mais dont on n'a pas conscience. Donc là, gros nettoyage de printemps, les amis, grâce à cette pleine lune. Yalla, magnifique. Magnifique. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et émotionnel. Ben, en quoi ça va nous libérer, nettoyer, guérir. Allez, pour la pleine lune du 27 avril. Merci, merci, merci. Tout bouge maintenant. Ah bon? Non. Ah ouais, c'est en train de bouger. Alors là, en dessous, on vous dit prochaine saison. Ben oui, c'est ce que je vous expliquais. Après, il faut le temps d'intégrer. Et ça, je vous le dis tout le temps. On nettoie, on guérit, on libère. Ensuite, on intègre tous ces nouveaux changements. Et ensuite,
on passe à l'action, on met des choses en place. Bon, et là, on vous dit avec cette carte-là, alors je vais en prendre d'autres, hein, mais que tout est déjà en train de bouger. Mais vous verrez peut-être, pour certains ou certaines, les bienfaits vraiment, alors sur le plan sentimental, qu'à la prochaine saison. On est déjà fin avril, mais juin dans 2 mois, hein, donc c'est pas non plus l'autre bout du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça va libérer des gros blocages, peut-être au niveau sentimental. Alors, je vais voir s'il n'y a pas un autre message. Avec séparation, échec et angoisse, peut-être des schémas qui se répètent au niveau du couple. Des situations d'échec, c'est-à-dire que vous essayez d'avancer, mais on revit peut-être toujours la même chose. Parce que boomerang, c'est ça, c'est aussi les choses qui reviennent, voyez. Donc pour certains, il y a une répétition de schémas, des cycles qui reviennent comme ça. Là, on nettoie tout ça. Des angoisses, peut-être des angoisses sur est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que ça va bien se passer, ou si on est célibataire, est-ce que je vais enfin rencontrer l'amour, le grand, le vrai, le beau, le magnifique? Oui, en vous déjà. Non, mais vous avez compris. Bah ouais, c'est en train de bouger, effectivement. Là, l'univers, il vous aide, hein. La lune, là, si c'est pas un gros coup de pouce, là, vous pouvez la remercier, hein. Vraiment. Ok. Bon, bah, il n'y a pas que vous. Il y a votre chérie aussi, hein. Bah oui, quand même, merde, on ne peut pas tout prendre non plus, hein. Ok, alors, pour certains, ok, je parlais d'une situation d'échec, peut-être au sein du couple, au sein de la famille. Pour certains, c'est en lien avec des enfants. Alors, ou c'était des répétitions de schémas par rapport à des enfants, vos enfants, les enfants de votre conjoint, votre conjointe, hein, bon, voilà. Pour d'autres, c'est pour avoir des enfants. Alors, là, alors évidemment, on est d'accord, je ne parle pas de personnes qui sont dans des programmes, vous voyez, avec des FIV et tout ça. Bon, là, la pleine lune, elle ne peut pas non plus, voyez, tout guérir comme ça, en un clin d'œil. Mais déjà, au niveau énergétique, elle va venir nettoyer beaucoup de choses. Elle va venir nettoyer peut-être l'incompréhension qu'il peut y avoir au niveau du couple, ce que vous ressentez. Vous savez, je parlais de légitimité tout à l'heure. J'ai fait un atelier sur la loi d'attraction aussi pour être papa ou être maman. Pourquoi? Parce que parfois, quand on galère pour avoir des enfants, c'est très compliqué, à un moment donné, notre inconscient, on n'en a pas conscience, attention, hein, l'inconscient, il se dit quoi? Il se dit, bah, de toute façon, si j'y arrive pas, c'est que je ne suis pas une bonne maman, c'est que je ne suis pas un bon papa, c'est que de toute façon, ça ne marchera pas. Vous voyez? Donc là, la pleine lune, elle va venir nettoyer un petit peu toutes ces fausses croyances, tous ces blocages énergétiques. Maintenant, ça ne peut pas faire tout. Mais effectivement, ça peut être aussi, pour d'autres, un projet bébé. Alors, ou un projet qui concerne des enfants. Parce que bon, tout le monde ne fait pas de bébé, on est d'accord. Mais quelque chose qui concerne les enfants. Peut-être une répétition de schéma par rapport à des enfants qui sont, je ne sais pas, ou qui vivent des situations compliquées, ou que vous aidez, et du coup, peut-être que vous aidez un peu moins votre couple, ou que vous êtes un peu moins présent, du coup, ça crée des conflits. Enfin, vous voyez, bon, peut concerner les enfants. On vous dit aussi que votre âme sœur, votre chérie, alors on reste pas bloqué hein, sur le terme d'âme sœur, notre autre, flamme jumelle ou pas, tout ce qu'on veut, peu importe, la personne avec qui on est n'est pas prête. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, la personne qui va venir à vous n'est pas totalement prête. Alors ça veut dire aussi qu'il y en a peut-être un des deux, hein, bon, qui est peut-être un peu trop, entre guillemets, je le mets vraiment entre guillemets, trop papa ou trop maman, voyez. Et donc du coup, bon, eh ben voilà, je sais pas, vous êtes, j'en sais rien, un peu bloqué au niveau du couple. Bon, j'ai quand même la carte des angoisses, donc ça peut être aussi des angoisses à travers la situation d'un de vos enfants, c'est possible. Mais tout est en train de bouger. Alors, votre conjoint, votre conjointe, votre chérie, qui n'est pas prêt ou qui n'est pas prête, c'est pareil, elle aussi, hein, ou lui aussi, ça va venir nettoyer un petit peu tout ça. Alors forcément qu'à force de libérer des choses, bon, bah, on voit quand même du positif et on vous dit oui, ça bouge. Alors quand on dit que ça bouge, émotionnellement, hein, voilà, comme je vous ai dit, ça peut faire remonter certaines choses. Maintenant, c'est pour qu'après, la situation soit beaucoup plus fluide. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous, ça va venir nettoyer toutes ces situations d'échec. Alors ça peut être aussi des deuils, hein, ce genre de choses. Bon, il y a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps, ce que je vous ai dit, parce que là, on vous dit la prochaine saison. Alors, pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens pour qui, tout de suite, vous allez commencer à créer, acter des choses dans la matière. Si c'est pour un enfant, bébé, tout ça, bon, vous aurez compris. Maintenant, angoisse, séparation, échec, ça peut aussi être des enfants qui quittent le nid, hein. Bon, ça peut être ça. Ouais, je pense que j'ai un petit peu tout dit là. Mais vraiment, si vous êtes célibataire, ça va venir nettoyer tout ce qui vous empêche
de laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu plusieurs ruptures amoureuses, tout ça. Bon, on a beau se penser guéri, disant bah c'est bon, ça va quoi. Enfin, ouais, non, je suis bien. Non, énergétiquement, il y a encore des choses à nettoyer, à libérer. Donc, il peut y avoir aussi, si vous êtes célibataire, mais pas que, mais là, je précise un peu plus pour les célibataires, peut-être des émotions qui vont remonter, peut-être de la colère aussi, hein, des choses qui n'ont pas fonctionné. Bon, voilà. Donc, on libère, on libère, on libère, on libère. Essayez d'accueillir un maximum. Comment? Eh bien, en vous reconnectant à la nature. C'est vraiment, la nature, c'est juste grandiose. Hein. Et là, j'ai quand même la chance d'être en plein désert. Je vous assure que 5 minutes à regarder les dunes et pff, ça y est, c'est bon, je me sens mieux. Juste, voilà, laisser le soleil me charger de ses magnifiques énergies. Alors, on peut le faire partout. Hein. Là, je suis ici, mais quand je suis chez moi en France, c'est pareil. Hein. Je n'ai pas les dunes, j'ai pas trop de soleil, mais j'ai d'autres solutions. Il y a les bois, il y a voilà, les arbres, tout ça, donc ok. Méditation, un maximum. Je sais que c'est pas facile. Je vous dis pas de partir une heure en méditation. Mais il y en a qui peuvent faire aussi de la méditation de pleine conscience. Méditation de pleine conscience, c'est pas forcément... non, c'est faire les choses en conscience. Vous vous dites pendant quelques minutes, mettez une petite musique sur YouTube ou ce que vous voulez, pendant quelques minutes, consciemment, vous faites les choses, c'est-à-dire je respire en conscience. Les yeux fermés, les yeux ouverts, peu importe. Vous respirez en conscience. Vous vous concentrez aussi sur, par exemple, votre ressenti au niveau de si vous êtes assis, par exemple, sur un canapé. Vous voyez, essayez vraiment de ressentir tous les points d'appui. Ça, c'est de la pleine conscience. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous lâchez le mental. Et le but de la méditation, c'est quoi? C'est de lâcher son mental, de faire comprendre à son cerveau que ce n'est pas lui qui commande et qu'à un moment donné, on peut arrêter de penser pendant quelques minutes. Vous voyez? Donc, utilisez tous ces outils qui peuvent vraiment vous accompagner. Si vous en ressentez le besoin, hein. Il n'y a pas d'obligation, hein. Vous êtes maître à bord, les amis. Allez, au niveau des vies antérieures, qu'est-ce que ça va venir titiller un petit peu cette pleine lune, hein? J'espère quelque chose de lourd, hein, qu'on libère, qu'on libère, qu'on libère. Allez, les vies antérieures, qu'est-ce qu'on va, bah, je sais pas, libérer, nettoyer avec cette pleine lune du 27 avril. Oh, c'est beau, oh, c'est beau, oh, c'est beau, non, pas tout, non, non, alors non. Les deux premières, oui, après j'en ai 7, 8 qui sont tombés. Non. Les deux premières. Création personnelle et enveloppe charnelle. Je vais vous lire les cartes. Elles me semblent importantes. Création personnelle, qu'est-ce que je disais tout de suite? On va enfin pouvoir créer des nouvelles choses. Oui, clairement. Parce qu'on a tous été créatifs dans nos vies antérieures. Peu importe les domaines, peu importe. Évidemment, on crée. On met des choses dans la matière. Alors, création personnelle. Dans tes anciennes vies, cher ami, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Merci pour cette carte. Elle est hyper importante. Je vous disais quoi? Là, vous libérez tout ce qui vous bloquait. Les boulets, les chaînes, les entraves, les menottes, tout, les cordes, les liens, les machins. On fait tout péter. Ensuite, on fait tout péter. Alors, en mots, on fait tout péter. Et ensuite, on a quoi? Eh bien, on a notre créativité qui va enfin pouvoir se développer. Ça veut dire que pour certains, on était bloqués dans des projets. On était bloqués dans nos passions. On était bloqués dans nos envies. Création personnelle, ça peut être des gens tout simplement qui vont faire des mandalas, des gens qui vont peindre, des gens qui vont écrire, des gens qui vont chanter, des gens, vous voyez. Alors après, ça peut être dans le travail, des vrais projets professionnels, des gens qui vont développer leur médiumnité. En plus, on a chakra du troisième œil, vous voyez. Essayez vraiment d'accompagner tout ça. C'est pas forcément je passe 3 heures à peindre ou 3 heures à mettre à écrire ou 3 heures. Non, c'est juste des petites choses pour commencer. Ah, tiens, aujourd'hui, je remets de la musique.
je me reconnecte à mon essence. Oh, je me reconnecte à mon essence, n'est-ce pas? Voilà, je me reconnecte à qui je suis. Bon, je me fais plaisir. Et ensuite, ça travaille aussi le chakra sacré, hein, la créativité. Hein. Tout est lié de toute façon. Hein. Donc, l'estime de moi, la créativité derrière, bah, elle bouge quoi, mais clairement. Magnifique. Magnifique, les amis. Bon, allez, l'enveloppe charnelle, ça va parler à beaucoup de personnes aussi. Il n'est pas beau ce tirage? Dans les commentaires, vous me le mettez? Il n'est pas beau ce tirage? Allez, l'enveloppe charnelle, les amis. Il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique. Et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal, car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si tu es une femme, c'est que tu as plus souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi, et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations et des relations où tu n'es pas toi-même et où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de belles synchronicités dans tes relations avec les autres. Bon, je voulais rebondir sur un truc et puis du coup c'est parti, mais c'est pas grave. Comment on peut développer sa créativité si on n'a pas confiance en soi? Compliqué quand même, hein? Voyez? Je l'adore ce tirage. Oh, je le kiffe! Oh, je le kiffe! Ok, on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Parce que là, c'est message des guides, mais qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ça, c'est important. Voyez, destin. Là, on est à un moment clé. On est à un moment charnière. Pourquoi? Parce que là, depuis un moment, on travaille sur nous-mêmes. Chaque personne, de façon consciente, inconsciente, de façon voulue ou subie, on n'a pas le choix, on bosse sur notre ego. Qu'on le veuille ou non, hein. De toute façon, comme je vous disais dans une des dernières vidéos, si on ne monte pas dans le train là, ben on va se ramasser. Alors on monte difficilement, on monte comme on peut, des fois on se raccroche, ça veut au dernier wagon, des fois on est premier de la classe, on est devant, oui je suis prêt, toc toc toc, impeccable, j'attends, ouais je suis là. Vous voyez, je plaisante, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là on a tellement travaillé qu'à un moment donné, il faut nettoyer. Alors tous ceux qui font des soins énergétiques, évidemment qu'on accompagne déjà tout ça depuis un moment. Pas que des soins énergétiques, mais beaucoup, méditation, tout ça c'est pareil, on accompagne. Mais les gens qui ne sont pas dans ces rituels, on va dire, d'accompagner tout ce travail de libération, bah, au bout d'un moment, on guérit, mais on garde en nous quand même des choses. Le corps physique, il garde, le corps émotionnel, c'est pareil, il y a encore des choses, tout ça. Et là, voilà, on libère déjà tout le trop-plein. On avance. Peut-être qu'on libérera dans un mois, dans deux mois, vous voyez, tout ce qui va encore ressortir de négatif, entre guillemets, qui aura besoin de partir. Et ensuite, on avancera. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est des cycles. Hein. Ce sont des cycles. Pardon. Excusez-moi, mon français n'est pas toujours parfait. Hein. Oser. Oh putain, j'adore. J'adore ce tirage. Oser être. Oser être qui vous êtes. Osez vous montrer. Sortez du placard, les amis. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ses peurs, qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, vas-y. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est votre âme. Vous voyez, votre âme, elle attend que ça. Votre âme, elle est prête. Votre âme, elle est... Vous voyez, elle est première de la classe. Elle est là, au début du wagon. Allez, j'y vais. J'ai envie d'y aller. Ah, mais pff, lâche tout ça avant. Lâche tout ça, mon ami. Mais clairement, c'est ça. Oh, je l'adore, ce tirage. Alors, moi, je le ressens parce que je ne vais pas vous mentir. Là, les premières choses, moi, ça y est, j'ai déjà accompagné avec mes soins énergétiques et tout ça. J'ai 15 jours d'avance, on va dire. Ensuite, il faut le temps d'intégrer les choses. Ce que je vous dis tout le temps. Même les gens qui font des soins énergétiques avec moi, je leur dis, c'est pas une baguette magique à l'instant T. C'est une baguette magique dans le sens où... Ouais, ça fait un gros nettoyage. Mais ensuite, il faut prendre le temps d'intégrer. Et ça, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois. Donc là, vraiment, waouh.
Eh bien, je vais vous souhaiter une très, 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 très belle pleine lune, même si sur l'instant T, hein, vous sentez que c'est un petit peu... vous inquiétez pas. Laissez passer quelques jours et vous allez ressentir tous ces bienfaits. Gros bisous du Maroc, les amis!